Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques vraiment, vraiment spécial 2020. On est le 12, hein, dimanche 12 avril 2020, 17h42 dans un confinement total. J'espère que vous allez bien. On va prendre quelques instants pour aller explorer un sujet vraiment intéressant. Je suis tombé sur cette vidéo-là, des plus fascinantes, puis je vous laisserai le lien de la vidéo dans la boîte de description. Ça nous provient de la chaîne History que j'aime beaucoup. Et qui nous parle du troisième œil, le fameux troisième œil, hein, qu'on retrouve dans presque toutes les grandes religions. Hein. Chez les hindous, c'est illustré par le bindi, ou le point qu'on a dans le front, ou le cercle. Chez les bouddhistes aussi, hein, on a ça sur Bouddha. Dans plusieurs cultures mésoaméricaines aussi, on a ça dans le milieu, hein, du front, une illustration de quelque chose qui semble vouloir... laisser prétendre qu'on peut communiquer avec des êtres supérieurs, hein, avec une forme, avec la forme de création divine. Et c'est là depuis longtemps, tu peux remonter à plusieurs milliers d'années dans différentes civilisations et tu as toujours cette référence-là. On la retrouve chez les Égyptiens aussi, on ira voir ça, tout ça ensemble. Et c'est l'idée qu'on est connecté. On pense que nous, on pense qu'aujourd'hui, parce qu'on a perdu toutes ces connaissances-là, ça n'intéresse plus le monde, je ne sais pas dans quelle direction on est allé, qu'on n'a aucune connexion avec quoi que ce soit, alors qu'on le sait très bien, on est connecté à tous les objets de l'univers. Il y a une interconnexion entre tout. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, ce fameux troisième œil, hein, qu'on retrouve dans toutes ces cultures et ces religions, font référence à une espèce de portail, hein, une connexion avec les êtres même extraterrestres qui seraient venus nous visiter et qui, étonnamment, auraient peut-être eux-mêmes introduit dans le cerveau humain ce qu'on appelle la fameuse glande thalamus, parce qu'on regarde beaucoup aussi dans cette mythologie ou ces histoires anciennes, la création de l'univers, hein, on voit cette forme d'œuf. Et c'est ça, j'essaye de résumer un peu le propos de cette vidéo-là, mais vous irez la voir, comme ça vous donnera une idée, pour ceux qui ne parlent pas anglais, de comprendre le sujet. Et étonnamment, dans le cerveau, on a quelque chose qui ressemble vaguement, mais précisément à cette forme d'œuf qui serait la source de la création, et peut-être même notre moyen de communiquer avec ces êtres extraterrestres, ou eux, de communiquer avec nous, de nous retrouver. Et c'est la fameuse thalamus. On va aller voir ça ensemble, c'est vraiment... vraiment extraordinairement fascinant. On va commencer d'abord avec ce troisième œil, hein, qui est généralement appelé l'œil de l'esprit ou l'œil intérieur, qui est un concept mystique et ésotérique d'un œil spéculatif invisible, généralement représenté comme situé sur le front, qui fournit une perception au-delà de la vue ordinaire. Dans les traditions spirituelles de l'Inde, le troisième œil fait référence au chakra ajna. Au front, le troisième œil fait référence à la porte qui mène au royaume intérieur et aux espaces de conscience supérieure. Dans la spiritualité New Age, le troisième œil symbolise souvent un état d'illumination et d'évocation d'images mentales ayant une signification spirituelle ou psychologique profondément personnelle. Le troisième œil est souvent associé à des visions religieuses, à la clairvoyance, à la capacité d'observer les chakras et les auras. Les personnes qui auraient la capacité d'utiliser leur troisième œil sont parfois appelées voyantes dans l'hindouisme ou le bouddhisme. Le troisième œil serait situé autour du milieu du front, légèrement au-dessus de la jonction des sourcils, représentant l'illumination que l'on atteint par la méditation. Les hindous placent également un tilaka, ou le bundi, entre les sourcils, comme représentation du troisième œil, qui est également vu sur les expressions de Shiva. Les bouddhistes considèrent le troisième œil comme l'œil de la conscience, représentant le point de vue à partir duquel l'illumination au-delà de la vue physique
est obtenue dans le taoïsme et dans de nombreuses sectes religieuses traditionnelles chinoises, telles que Chan, appelé Zen en japonais. La formation du troisième œil consiste à concentrer l'attention sur le point situé entre les sourcils, les yeux fermés, pendant que le corps est dans diverses postures de Qigong. Le but de cette formation est de permettre aux étudiants de s'accorder sur la vibration correcte de l'univers et d'acquérir une base solide sur laquelle atteindre des niveaux de méditation plus avancés. Le taoïsme enseigne que le troisième œil, également appelé l'œil de l'esprit, est situé entre les deux yeux physiques et s'étend jusqu'au milieu du front lorsqu'il est ouvert. Le taoïsme prétend que le troisième œil est l'un des principaux centres d'énergie du corps situé au sixième chakra, faisant partie du méridien principal, la ligne séparant les hémisphères gauche et droit du corps. Dans les traditions alchimiques taoïstes, le troisième œil est la partie frontale du upper dan tien, champ du cinabre supérieur, et reçoit le nom évocateur de boulette boueuse. Donc, ça nous ramène au bindi, le fameux décoratif hindou, qui signifie point, goutte, point ou petite particule. C'est un point coloré porté au centre du front à l'origine par les hindous et les jains des sous-continents indiens. Le mot bindu remonte à l'hymne de la création connue sous le nom de Nasadiya Sukta dans le Rig Veda. Bindu est considéré comme le point où la création commence et peut devenir l'unité. Il est également décrit comme le symbole sacré du cosmos dans son état non manifesté. Ici, l'œil d'Horus, également connu sous le nom de Wadjat ou Ujat, est un ancien symbole égyptien de protection, de pouvoir royal et de bonne santé, mais aussi de cet œil providentiel et divin qui surveille tout. Le fameux l'œil d'Horus est similaire à l'œil de Ra, qui appartient à un dieu différent. Ra, mais représente bon nombre des mêmes concepts. On peut le voir ici. Ça nous amène, eh oui, à cette fameuse thalamus, voyez-vous, qui est située ici, au centre du cerveau. Étrangement, qui ressemble vraiment, vraiment à ce fameux œil d'Horus, vraiment, vraiment similaire. Maintenant, laissez-moi trouver, j'avais perdu quelque chose. Le fameux thalamus. C'est une grande masse de matière grise située dans la partie dorsale du diencéphale, une division du cerveau antérieur, les fibres nerveuses se projetant du thalamus vers le cortex cérébral dans toutes les directions, permettant des échanges d'informations en forme de plaques tournantes. Il a plusieurs fonctions, telles que les relais des signaux sensoriels, y compris les signaux moteurs, vers le cortex cérébral. Anatomiquement, c'est une structure symétrique médiane de deux moitiés gauche-droite. C'est comme deux formes exactement similaires, comme deux formes d'œufs vraiment similaires à l'intérieur du cerveau, situé entre le cortex cérébral et le mésencéphale. Il se forme au cours du développement embryonnaire comme le principal produit du diencéphale, comme l'a reconnu pour la première fois l'embryologiste et anatomiste Willem Hiss. Le thalamus est une structure appariée de matière grise située dans le cerveau antérieure qui est supérieure au mésencéphale, près du centre du cerveau, avec des fibres nerveuses se projetant vers le cortex cérébral dans toutes les directions. Et c'est tout ce que vous percevez de vos yeux, de vos oreilles, est envoyé là, est reçu par le thalamus et envoyé partout dans votre corps. C'est vraiment hallucinant. Le thalamus a de nombreuses connexions avec tout le reste de toute notre structure nerveuse. C'est unique. J'avais quelque chose de vraiment intéressant, donc on peut le voir ici. Le thalamus est une glande masse ovoïde en forme d'œuf, en matière grise, présente dans le diencéphale, une partie du cerveau antérieur. Le thalamus est impliqué dans les fonctions sensorielles et motrices du cerveau. C'est la partie du cerveau où les informations sensorielles de tout le corps convergent et sont ensuite envoyées vers différentes zones du cortex.
Wow. Chaque glande ville possède une plaque tournante centrale à travers laquelle ses citoyens peuvent accéder aux transports en commun pour se rendre à leur destination souhaitée. Dans le cas du corps humain, le système nerveux peut être divisé en principaux axes routiers qui transportent les individus vers et depuis la grande ville. Le thalamus est idéalement situé au cœur du diencéphale, profondément dans le cortex cérébral, et agit comme le centre central. Le thalamus relaie et intègre une myriade d'impulsions motrices et sensorielles entre les centre supérieur du cerveau et les périphéries. Vraiment, vraiment fascinant. Vraiment fascinant. Donc, est-ce que ça serait été installé justement par ces visiteurs qui sont, selon plusieurs sources, venus nous créer avec une fusion de deux chromosomes, un des grands singes et l'autre provenant de on ne sait quoi. C'est maintenant chose admise par la science. On est apparu il y a 200 000 ans avec cette fusion qui n'est pas venu naturellement, mais dans laquelle il y a eu une intervention, c'est vraiment bien défini, je vous en avais déjà parlé. Vraiment hallucinant. Et ce troisième œil, cette connexion, serait probablement ce thalamus qui est au centre de notre cerveau. On peut le voir très très bien ici. Les deux en forme d'œuf. Et ça nous ramène à ce troisième œil et notre connexion avec l'au-delà, avec les êtres supérieurs, avec les êtres aussi peut-être extraterrestres. Donc vous irez voir ça, je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est fascinant. Puis pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous aviez besoin d'une petite mise en situation qui vous explique ce dont on va parler, puis vous pourrez aller écouter la vidéo, c'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment fascinant. Le thalamus, hein? Waouh! Je vous reviens.